Ce n'est pas par accident que je scène de ce chapitre de premier moment. Vers la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, les disciples s'approchèrent de lui, prièrent à couvert la bouche et les enseigna et dit, et rue les pauvres en esprit vers le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire, et rue les ongles dans le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est-à-dire, bénis sont ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la souffrance. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, c'est ceux qui sont patients, ceux qui sont doux, ceux qui sont tendres, ceux qui sont bienveillants. Ça, c'est les débonnaires. Ceux qui ont un esprit paisible et calme. Et qui sont patients et gentils. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On pouvait dire, heureux ceux qui aiment la sanctification, ceux qui aiment la pureté, ceux qui aiment la justice de Dieu, car c'est eux qui seront rassasiés. Verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et là, je vais vous laisser asseoir pour quelques minutes, parce que je vais rester sur celui-là pour un moment. Ça fait peut-être 15 jours qu'on a parlé de ceux qui sont miséricordieux, et j'ai aussi pris le verset Matthieu 7, 2, qui dit, un vous jugera le jugement dont vous jugez, et l'un vous mesurera avec le mesure dont vous mesurez. Et alors, on a dit que si on donne beaucoup de miséricorde, on va recevoir beaucoup de miséricorde. Si on donne peu de miséricorde, on ne va recevoir que peu de miséricorde. Simplement, ça marche comme ça. Voilà les plaisirs de ma cuisine. Petit. Un peu plus grand. Encore un peu plus grand. Encore un peu plus grand. Encore plus grand. Alors vous serez, on vous jugera de jugement dont vous jugez, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Si vous êtes très vite de passer jugement, dans une grande mesure, vous allez recevoir aussi le jugement en grande mesure. Et si vous êtes miséricordieux, et vous ne voulez pas juger ton frère ni ta sœur. Et tu fais très attention de ne pas entrer en jugement. Alors vous recevrez qu'on vous donne. Petite mesure, grande mesure, moyenne mesure. C'est comme ça avec le jugement, c'est comme ça avec le miséricorde. En Romains 2, verset 1, on avait vu un qui que tu sois, toi qui juges. Tu es donc inexcusable car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Alors, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai très besoin de la miséricorde de mon Dieu. J'ai très besoin de la miséricorde de mon Dieu. Si vous voulez attirer le jugement de Dieu, donnez le jugement. Si vous voulez attirer la miséricorde de Dieu, être miséricordieux. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont des pensées pures, où l'esprit est tourné vers ce qui est pur, ceux qui aiment ce qui est pur. On n'aime pas la pornographie. On n'aime pas les choses sales du monde. On aime la pureté.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et en année, je parlais au sujet de celui-là aussi. Mais on a pris le verset Hébreu 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, il nous faut être à la recherche de la paix. De rechercher la paix. En Psaume 34, verset 14b, on a lu recherche et poursuivre la paix. Et on a déjà parlé de cela. C'est très important de procurer la paix. Et puis, on a vu verset 10, il y a ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Et puis, on parle de la persécution. Heureux serez-vous lorsqu'on vous ouvragera, quand vous persécutera, quand dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, lorsque vous êtes persécutés, pour un mal que tu n'as pas fait à cause du Seigneur, tu es béni, tu es heureux, parce que Dieu voit ça, et il voit l'injustice que tu reçois. Ok, mais nous allons continuer, nous allons aller plus loin de ce qu'on n'a pas encore vu. Alors, on continue le chapitre, on est à verset 13. On avait déjà vu ces premiers 12 versets, mais verset 13, il dit, lisez ça avec moi, si vous êtes vous qui sont là. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ok, tournez la tête sur ça un tout petit peu. Nous utilisons le sel, même en faisant un gâteau, il y a un tout petit peu de sel qui est mis dedans, parce que le sel enlève le goût des autres choses. Tu sais, un tout petit peu. Même dans le chocolat, il y a un peu de sel. Il y a un peu de sel parce que ça relève le goût. Ça donne goût. Et il dit là, mais si le sel perd sa saveur, si on n'a plus le goût, alors il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Okay, il dit que nous sommes le sel de la terre. Mais il y a un avertissement là pour nous. Si jamais nous n'avons plus un bon goût, si on permet de l'amertume d'entrer dans le cœur, si on permet la haine d'entrer dans le cœur, si on a la dureté de cœur, si c'est la méchanceté qui se trouve en nous, si c'est les mauvaises paroles, on a perdu le bon saveur. Et la Bible dit que si vous êtes le sel de la terre, mais si la sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, c'est un avertissement pour l'Église. Il faut que nous gardions nos cœurs afin qu'il ne soit pas un mauvais goût qui sort de nous. Parce que dès qu'il commence d'avoir les mauvais sentiments dans le cœur, ça donne un mauvais goût tout de suite, tu vois. Et si le sel, si nous perdons notre saveur, alors qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous? Il vient de dire que nous ne sommes bons pour rien à ce moment-là. Ok? Verset 14. Il y a donc plusieurs exemples pour parler maintenant de nous. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et effectivement, Jésus ne marche plus sur la terre. Lorsqu'il était ici, il donnait une grande lumière. Mais il est au ciel.
Et c'est son Église qui est sur la terre. Maintenant, nous sommes la lumière de la terre. Comment les gens vont trouver le Sauveur sans la lumière? Et le Seigneur nous a laissé comme lumière. Il faut que nous prions, parce que c'est pas au travers de nous que le monde peut trouver le Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et depuis un moment, ça c'est le verset qui est tellement dans mes pensées. Cette année, j'ai pensé à ce verset tellement de fois. Mais hier, j'ai vu ça un peu différemment. Nous sommes une ville située sur une montagne. Nous ne pouvons pas être cachés. Tout le monde nous regarde. Ah, voilà les pentecôtistes. Voilà ces gens qui baptisent au nom de Jésus. Ah, voilà ces gens qui parlent en langue. Ah, tu les vois, tu les vois, tu les vois. Et alors, si nous ne restons pas purifiés, si nous ne sommes pas un bon exemple, alors nous sommes la ville qui est en haut de la colline. Nous ne pouvons pas être cachés. Alors, si un temps, ils vont dire, ah, 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 toi, vous ça. Toi, vous ça, toi, vous ça, toi, vous ça, que la terre. Parce que nous ne sommes pas cachés, les frères et sœurs. Tu ne peux pas croire à quel point les gens nous regardent. Et je me souviens que quand j'étais jeune et lorsque je devenais une femme de ministre, elle m'a dit, écoutez, vous allez vivre dans une maison faite de verre. Alors il faut accepter, parce que les gens vont regarder ta vie avec un œil qui est très, très tourné vers toi à cause de ta position. Et écoutez les frères et les sœurs, lorsqu'on est chrétien, l'œil du monde est sur nous. Ils espèrent nous voir tomber en péché. Ils espèrent nous voir. Oh, ils sont comme nous après tout. Ah, tu vois ça? Ils n'ont rien que nous n'avons pas. Parce que nous sommes la ville sur le haut de la colline. Nous ne pouvons pas être cachés. Tout le monde est en train de nous regarder. Le monde est en train de nous regarder. Il faut que nous fassions très attention de nos vies, afin que ce qui sort de notre bouche, ce qui sort de notre cœur, ce qui sort de nos actions, ce que nous faisons, soit comme la grande lumière, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on fait ce qui n'est pas bon, tout le monde utilise ça comme une excuse de ne pas venir à Dieu. Amen. Tu vois, inutile de venir à Dieu parce qu'ils font les mêmes choses que nous. Ils n'ont pas de puissance. Ils pêchent. Nous sommes une ville située sur une montagne. Nous ne pouvons pas être cachés. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on le met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, il parle là d'une chandelle ou d'une bougie. Voilà, j'ai une. C'est bleu. Alors, si je prends ça, je mets ça, je ne peux pas mettre ça là parce que c'est pas. Si je mets ça là, et si je prends mes allumettes pour allumer, et puis si je la couvre, qu'est-ce qui va arriver tout de suite? Ça va se taire. J'ai fait ça plusieurs fois avant de venir. Je pense que vous n'avez pas besoin de voir ça. Ah, ça va se taire tout de suite. Je peux allumer la chandelle. Je peux le mettre sur un chandelier. Et si je le couvre avec un pouceau, alors comme ça,
toute lumière. Ça aussi est un avertissement du Père de l'Éternel. Si tu insistes d'essayer de cacher la lumière de Dieu en toi, si tu ne veux pas que les gens te voient comme un chrétien, tu veux être comme tout le monde. Et alors tu fais ton mieux pour cacher la lumière que Dieu t'a donnée. Dès que tu mets le buisson sur ça, toute lumière. Et puis il y a quelqu'un qui se demande, mais pourquoi je n'arrive pas à marcher avec Dieu? Pourquoi la flamme se teint tout le temps en moi? Pourquoi quand j'arrive à la maison et après en journée, je ne sens plus le Saint-Esprit en moi? Mais il faut laisser la lumière briller. Si tu le caches, si tu le couvres, si tu ne le permets pas d'être allumé, de briller, tu vas perdre le feu de Dieu. Ça va se teindre et vous ne l'aurez plus. Parce que si on met une lampe sur un chandelier, mais on le met sur une poisson, alors il ne va rien éclairer. Mais lorsqu'on le met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et c'est ce que Dieu désire, c'est ça, c'est le plan qu'il a pour chacun de nos vies. Il veut que nous soyons allumés par le feu de Dieu. Et nous, à l'autel, on reçoit la flamme de Dieu. On soit allumés. Et quand on met ça dans une chandelier où tout le monde peut voir la lumière, et ce n'est pas caché aux yeux de personne, tout le monde voit que tu es chrétien, alors tout le monde voit la lumière de Dieu en toi. Parce que dès que tu commences à la cacher, tu vas le perdre. C'est aussi facile que ça. Et je sais pour les jeunes parfois ont un tel désir d'être comme tout le monde qu'ils viennent et ils prient à l'autel et reçoivent le feu de Dieu. Mais lorsqu'ils arrivent en classe, et puis ils demandent pourquoi ils ne sentent pas la présence de Dieu. Mais ils ont caché la lumière que Dieu a donnée et fait que ça brille. Fait que ça parle aux autres. Alléluia. Quelle heure? C'est pas mon délire. Ok, verset 17. Tout le monde. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas abolir, mais pour accomplir. Et effectivement, il y a des églises qui disent que nous sommes toujours sous la loi, ou bien que la loi est abolie, il y a tous les deux extrêmes, ni l'un ni l'autre n'est pas vrai. Jésus n'a pas aboli la loi, il est venu pour l'accomplir. Jésus est l'accomplissement de la loi. Et alors avec Jésus, la loi de Moïse était accomplie, et la loi de Jésus est entrée en règle. Et laissez-nous lire 18, 19, 20. J'espère que vous suivez dans vos Bibles. Et car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Ok, voilà, il était clair là. Ok. Jésus dit, je suis l'accomplissement de la loi. L'Ancien Testament a toujours une importance. Mais il faut comprendre que moi, je suis l'accomplissement de cela. Et puis, il continue pour dire que pas même un trait de lettre
le bar sur la terre. Rien ne va disparaître. Ce qui est écrit, on ne peut effacer même le point sur les i. Pas un seul trait de lettre. Et tout va arriver exactement comme c'est écrit. C'est ce qu'il dit là. Et il nous dit, si quelqu'un supprime même le plus petit commandement et enseigne aux hommes de faire de même. Alors tu vois, nous n'avons pas le droit de supprimer le plus petit des commandements de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus nous dit. Il faut l'accepter, les petites choses, les grandes choses, les faciles choses, les dures choses, tout. Et là, parce qu'on n'a pas le droit de supprimer même l'un de ses plus petits commandements. Et si quelqu'un enseigne que c'est OK de sauter un certain commandement de Dieu, Dieu sera fâché avec la personne qui l'a dit. Fais attention de ne jamais dire comme « Ah, tu n'as pas besoin de faire ça. » Tellement longtemps que la Bible est écrite. C'est pas grave, ça. C'est tout petit comme maman. On n'a pas le droit de faire ça. Et puis, parce que notre justice, il faut que ça surpasse celle des scribes et des pharisiens pour entrer dans le royaume de Dieu. Et tu sais, les scribes et les pharisiens, ils connaissaient très bien la Bible. Ils parlaient souvent de Dieu. Ils étaient les hommes qui avaient étudié tout l'Ancien Testament et savaient ce qui était dedans, mais ils n'avaient pas la justice de Dieu. C'est possible de connaître très bien la Bible et d'être capable de citer ce que ça dit et de parler de la Bible, mais de n'avoir pas la justice, la sanctification, de ne pas être purifié. Parce qu'il dit, les scribes et les pharisiens, peut-être ils connaissent la parole de Dieu, mais parlant de justice, il faut que votre justice soit plus grande que ça, pour même entrer dans le royaume des cieux. Vous êtes avec moi? Oui. Il y a beaucoup de gens, il y a les religions, qui enseigne, parce que nous sommes maintenant dans la dispensation de la grâce. Nous n'avons plus de commandement à obéir. Nous n'avons plus de aller sur la grâce. On peut faire tous les péchés qu'on veut, sans ne faire rien. Ils n'ont jamais lu ce premier enseignement de Jésus. C'est impossible d'étudier ce premier enseignement de Jésus et de ne pas voir qu'il faut garder même le plus petit commandement du Seigneur. Et il dit, oh oui, mais toutes les choses dans l'Ancien Testament sont passées. Mais en lisant le Nouveau Testament, Jésus nous donne le vrai... Ça devient très profond. Parce que regardez la prochaine partie, verset 21. Pour donner un exemple, puis dans plusieurs exemples, comment sa loi est différente de la loi de Moïse. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne toueras point. Celui qui touera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Haka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens, ah, mon frère a quelque chose contre moi, alors laisse-la ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre pas au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Ok, il donne plusieurs exemples, mais c'est celui qu'il donne en première. Il dit, ok, dans l'Ancien Testament, effectivement, il a été dit, tu ne toueras pas. C'est dans les 10 commandements. Il dit, moi, je vous dis,
Que même si tu es en colère contre ton frère, déjà tu mérites d'être puni. Tu vois, la loi de Jésus est beaucoup plus stricte que la loi de Moïse. Parce que Jésus, il va là dans les sentiments qui fait sortir le meurtre. S'il n'avait pas de colère, il n'y aurait pas de meurtre. Alors, il est dans le cœur, ce qui la raison derrière les choses. Et alors, si on se met en colère contre son frère, déjà, il mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni par la Sanhédrin. Et je regardais parce que j'ai voulu savoir exactement ce que ça voulait dire. Et dans le dictionnaire biblique, il dit que Raca veut dire tout sans valeur. Sans valeur! Tu n'as aucune valeur! Il dit que c'est ce que Raca veut dire. Que celui qui dira à son frère Raca, tu n'as pas de valeur, il mérite d'être puni aussi. Et celui qui lui dira insensé, alors il mérite d'aller à l'enfer. Il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Je me souviens quand j'étais fille que ma tête tournait tellement sur ça. Parce que c'était tellement courant d'entendre même les enfants en train de jouer, d'appeler quelqu'un en anglais, c'est fou. Insensé, tu ne connais rien, insensé. Le livre dit, tu n'as jamais dit ça à quelqu'un. Et malgré cela, on entend ça assez couramment. Quand tu dis, tu es sans valeur, tu es insensé, tu ne connais rien. Et Jésus disait, attention pour ta bouche. Attention de ce qui sort de ta bouche. Parce que si tu te mets en colère et tu commences à dire les choses méchantes à ton frère, alors tu es déjà en danger d'être puni par Dieu. Et puis il continue pour dire, si tu présentes ton offrande à l'autel et tu es là en train de donner ton offrande, mais puis soudainement un esprit de conviction vient sur toi et tu entends la voix de Dieu qui te dit, mais il faut pardonner à ton frère. Mais Seigneur, il a fait quelque chose contre moi. Parce qu'il fait effectivement, ton frère a fait quelque chose contre toi. Il n'a pas dit, tu as fait quelque chose contre lui. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Et Dieu t'a fait penser à ça. Tu es en train de donner l'offrande. Mon frère ne m'a... Oui, Seigneur. Alors Jésus dit, mais laisse ton offrande. C'est plus important d'être réconcilié avec ton frère. Et après la réconciliation, viens présenter ton offrande. Alors là, Dieu nous disait, c'est tellement important, la réconciliation, qu'il ne soit rien entre nous qui ne va pas, qu'il n'y a pas de mauvais esprit entre nous, les mauvaises pensées, que c'est tellement important que chacun arrive de pardonner à son frère et d'être en paix avec tous. Et lui, ce qui procure la paix, n'est-ce pas? Alors Jésus dit, ça c'est tellement important, que même si tu es en train de donner un enfant est bon, mais être réconcilié avec ton frère est beaucoup plus important que ton enfant. Et puis il dit, compte promptement avec ton adversaire, parce que ça pourra aller plus loin. Et parfois, si nous ne traitons pas quelque chose qui est dans nos cœurs, on permet que les années viennent et les années s'en vont, et on ne fait rien au sujet de ça, et on permet que ça tourne dans le cœur, et ça devient une vraie amertume, et bientôt vraiment tu ne supportes pas même voir la personne, tu ne veux rien dire à lui, ça devient de plus en plus grave, parce que ça prend de racines dans le cœur. Tu vois, le plus vite que tu enlèves les mauvaises choses, le plus facile que c'est de les enlever parce qu'ils n'ont pas encore de grandes racines. Alors, attends promptement pour t'accorder avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Parce que tu ne veux pas que ça va plus loin que ça. Tu veux avoir la paix. Et ceux qui procurent la paix. Et là, on va simplement prendre le prochain et je vais arrêter. Versets 27, 28, 29, 30.
Voici, il est dans plusieurs choses, mais voilà encore une. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, ça c'est dans la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périssent et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors là, Jésus est en train de dire quelque chose qui est profonde. Il le dit, oui, effectivement, c'est vrai. Déjà dans l'Ancien Testament, il a écrit, tu ne commettras pas l'adultère. Et je vous dis, dans la loi de Jésus-Christ, que la convoitise est déjà un péché. Même qu'avant que ça tourne en adultère, avant que tu fasses l'action de péché, c'est déjà un péché devant Dieu. Parce que Jésus juge les sentiments de nos cœurs. Il juge ce qui est dans le cœur, les émotions que nous avons. Et alors déjà, même si tu ne vas pas plus loin, mais tu as cette convoitise, alors selon Jésus-Christ, tu es déjà en train de pécher. Alors je dis aux jeunes, et ce n'est pas seulement les jeunes, mais fais très attention pour la convoitise. Parce que dès que tu t'es permis de commencer d'avoir, d'être sexuellement avec cette personne-là, tu es déjà un pécheur dans les yeux de Dieu. Alors Dieu ne veut pas que tu commences à avoir ces sentiments et ces pensées-là. C'est une question de purification de ton cœur, de te garder pur devant Dieu. Et alors il continue pour dire, mais tu vois, si la raison que tu pêches, si ça serait si simple que c'était ta main, il serait mieux de lever ta main afin de ne pas pécher. Et si ça c'était simplement ton œil, si c'était à cause de ton œil que tu pêches, si tu pouvais souvent lever ton œil, ça serait mieux que continuer à pêcher. Parce que si tu continues à pêcher, tous tes membres vont périr dans la géhenne. C'est ça que nous venons de lire. Il lui dit aussi horrible qu'il serait de perdre un œil, ou de perdre une main, ou de perdre un pied, ou quelque chose comme ça. Aussi horrible que ça serait, il est beaucoup pire d'aller à l'enfer. Alors, il dit très attention, parce que sous ma loi, c'est vraiment ceux qui aiment la justice qui sont bénis, qui sont guéris. C'est ceux qui aiment la sanctification, ceux qui purifient le cœur, ceux qui font leur mieux d'arracher tous les mauvais sentiments. Soit colère ou soit convoitise. Les mauvais sentiments de les enlever. Parce qu'il y a tout périr dans la géhenne. Amen. Si à la maison tu veux lire le reste du chapitre, c'est pas difficile à comprendre. Mais je vais arrêter là, j'ai déjà vu beaucoup de choses. Et tu vois, tout le long de ce premier enseignement, c'est chapitre 5, c'est chapitre 6, c'est chapitre 7. C'est tellement riche en enseignement, où Jésus mettait clair ce qu'il attend de ses disciples, de ses enfants, de ce qu'il attend de nous, de ce qu'il espère trouver en nous. Alors, que nous soyons la sel de la terre, la lumière du monde, la chandelle qui est sur une chandelier, comme ça, éclaire toute la maison. Amen. Et lorsqu'elle est une mère, ça prend une signification tout à fait particulière, parce qu'effectivement, la mère a beaucoup à faire avec la température d'une maison. Et alors, il dit, afin que toute la maison soit éclairée, il faut que les mères enseignent leurs enfants, aimer Dieu. C'est tellement important de vivre pour Dieu, d'être pur.
de vivre en sanctification, d'aimer les frères et les sœurs, de chasser les mauvaises pensées, de garder le cœur avec toute diligence. Alors voilà la lumière qui doit briller dans nos maisons, afin que dès un petit âge, les enfants comprennent ces choses que Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 7. Amen. Mettons debout les frères.